sur Tescars pour l'essai aujourd'hui d'une Lamborghini Aventador SVJ. On passe tout de suite au design. Le capot moteur est en fibre de carbone. La monocoque est également tout en carbone. Système ailes à l'avant avec une lame incroyable. Il y a également le système de lift qui surélève un petit peu l'avant du véhicule. Un capot moteur en fibre de carbone. Des jantes à l'avant de 20 pouces. Avec des étriers de frein à double circuit hydraulique à 6 pistons. Seuil de porte Aventador aux couleurs de l'Italie. Ne croyez pas que c'est de série. On poursuit ici. Avec des prises d'air latérales fixes et juste énormes. À l'arrière, les pneus sont de 21 pouces. P0 Corsa. Freinage toujours à double circuit hydraulique à 4 pistons à l'arrière, ce qui lui permet de s'arrêter sur 30 mètres sur le 100 à 0. On passe à l'arrière avec de nouveau ce système ALA qui modifie la charge aérodynamique de façon active afin d'assurer une déportance élevée ou une faible traînée en fonction de la vitesse. Déjà vu sur l'Huracan Performante, mais amélioré ici. Diffuseur arrière qui d'origine n'est pas noir. Caméra, capteur, c'est une évidence. Et le système d'échappement, sachez qu'il est plus léger et plus haut et inséré dans la carrosserie, pour rappel, en fibre de carbone. Les ailes avant, comme la portière, sont en aluminium. Et à l'intérieur, c'est recouvert de carbone. Et justement, on passe dedans. En ville, on est en quoi? En deux? En trois? Enfin, tu peux, je sais qu'on peut rester en première, je sais. En fait, tu peux conduire en première jusqu'à 90 si tu veux. Droite, gauche? Là, on va à droite. Ouais. Enfin, un petit peu la pédale de frein, la course, il faut pas. Ça. Là, on est en première. Que de sensations, Mirko. Que de sensations. Mais content que ça te plaît. C'est impressionnant. Merci infiniment. Molto, molto grazie.